この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à The Italian Job sur PlayStation. On va changer la langue. Une chose originale, c'est que ça fait comme à l'époque où on avait les petits macarons de couleur. Du macaron, mais je sais le bon mot. Et on va prendre la langue française. Alors, donc on a un menu qui ressemble étrangement au menu Driver 1. On a donc Titan Job, donc c'est le mode histoire, on a le mode destructeur, le mode contrôle, le mode course libre, le mode option, que nous allons voir ici. On peut donc changer la langue, on peut voir les réglages de l'audio. Les effets sonores, volume de la musique, on va baisser un peu le volume de la musique. Voilà. Les effets sonores, on va les mettre comme ça à peu près. Hop. Et on va faire OK. Le réglage de la position de l'écran aussi. Alors ce que j'aime bien, c'est le temps de chargement entre chaque réglage. Bon, on va faire retour. Alors je vous propose pour commencer de faire un mode course libre, histoire de voir un petit peu la première partie du jeu, enfin c'est-à-dire le maniement, les graphismes, et voir un peu déjà à quoi ça ressemble. Alors, on peut choisir plusieurs voitures, sauf qu'on n'a aucune voiture disponible, sauf celle-là. Donc, on peut choisir le véhicule. Et au niveau de la ville, pour le moment, ben, on n'a qu'une ville disponible, c'est celle de Londres. Attends que le chargement, c'est fini. Chargement original, d'ailleurs. C'est assez simpliste, mais c'est plutôt bien fait. Les chargements sont un petit peu longs, par contre. Alors après, il faut charger quand même une ville entièrement. Hein, donc, voilà. Je rappelle que la Play 1 a un lecteur en 1x et pas en 2x, c'est-à-dire qu'elle attend les... La vitesse, c'est la vitesse classique d'un CD audio. Et par exemple, la Saturn avait un lecteur 2X qui permettait d'avoir les chargements un peu plus rapides. C'est pour ça que les jeux de Play 1 en général sont longs à charger, et c'était pareil aussi sur Play 2 à l'époque. Et que des débits de lecture plus grands, mais surtout, comme les disques étaient aussi plus grands, alors en termes d'espace, en termes de disques, ça revient au même.
Donc voilà, on roule avec cette voiture. Je crois que je suis en mode. Ouais, on va changer le type de d'analogue. Voilà, je tourne avec la croix. Donc on roule avec une voiture. Alors, on peut freiner, accélérer, jusqu'à la logique. On peut tourner droite, gauche. J'ai pas l'impression qu'il y ait de touche. On peut klaxonner avec R1. L1, ça fait rien. L2, R2, il se passe que dalle. Ici, je fais select, il se passe rien non plus. Et bien sûr, si je fais start, on a le menu start. Et on peut voir l'objectif actuel. Il n'y en a pas, c'est logique, on est en mode libre. Alors c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la PlayStation, hein, qu'on entend se le dire. Donc niveau graphisme, bah, la PlayStation elle fait ce qu'elle peut. Mais le jeu est pas moche en soi. Si on peut regarder, on est quand même des décors corrects. Ça ressemble beaucoup à du Driver, mais je trouve qu'il y a quand même quelques détails supplémentaires par rapport à un Driver classique. C'est quand même un peu plus précis au niveau de certaines textures. Après, voilà, bon, il y a mieux qu'il y a mieux. Là, j'ai tapé quelque chose, voilà. Alors, on a une barre de dégâts en haut, vous voyez qu'elle s'est un petit peu affichée, je suis en vert. Et normalement, je suis censé rouler pas très vite pour pas me prendre la police, parce qu'il y a la police dans le jeu, vous allez le voir. Vous voyez, ça descend tout seul, hein. Il y a la gestion de la physique au niveau de la montée-descente aussi. On a des gens que l'on ne peut pas écraser, il me semble. Par contre, regardez les poteaux, à différence d'un driver, on peut les casser. Par contre, au niveau des dégâts des voitures, c'est pas super bien fait. Vous allez voir, j'essaie de casser par exemple un poteau. Bon, ça, je peux pas le casser. La partie pour s'arrêter sur le métro, je peux pas l'arrêter. Si je tape le bout ici, je peux pas le casser. Mais si je prends un poteau, par exemple celui-là, voilà, je peux l'exploser. Et regardez, on a failli rentrer dans quelqu'un, la personne elle s'est jetée. Et on a les flics. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est que par exemple, là j'étais pas très rapide, hein, vraiment j'étais pas. Eh ben, j'ai quand même les flics qui vont venir me chercher. Alors vous voyez une lettre en bas à gauche, c'est tout simplement le fait que si les flics sont trop longtemps proches de nous, eh ben, ils vont pouvoir trouver notre plaque. Donc si vous regardez de manière assez distincte. Vous voyez que on a notre plaque qui s'appelle NAN 404D. On a retourné la voiture en face de nous. 404D et s'il met toute la plaque, en gros, en fait, on est mort, quoi. Enfin, on perd. On a les bus londoniens parce qu'on est à Londres. Je sais pas si on aura le temps de voir d'autres décors en mode Italian Job, mais en tout cas, et hop, encore une voiture. On a deux voitures maintenant. Même système que Driver d'ailleurs, avec les petites croix rouges pour nous indiquer où sont les polices. Alors on va essayer de partir un petit peu. On a un. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je peux rentrer là? Non, je peux pas. Et le problème, c'est que là, les policiers sont là. Et voilà. Et du coup, il faut que je fasse le tour. Donc, ça, c'était un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Il me rentre dedans à nouveau. Aïe aïe. J'ai quasiment une voiture qui est morte. Ouais, visuellement, on n'a pas l'impression qu'elle est cassée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de dégâts sur la voiture. Ça, c'est vraiment un premier défaut, je trouve. On voit pas vraiment les dégâts. Et puis surtout, je peux pas faire de vue arrière. C'est un peu dommage. J'ai un saut ici. Oui! Alors, chaque véhicule va avoir un petit peu son maniement. Là, bon, on a le seul véhicule disponible. Regardez, par exemple, il y a des détails, voilà, ce genre de choses qu'on n'avait pas dans Driver. Hein. C'est quand même un peu mieux fait en termes général au niveau des graphismes. Et là donc j'ai plus les policiers, donc soit j'ai cassé sa voiture, soit j'ai réussi à aller trop loin et attendre longtemps avant qu'il me trouve plus. Mais ça me permet d'esquiver les flics. Là on va juste sortir un peu, on est sur un. On est où là? On est sur un parking. Est-ce que je peux casser le. Est-ce que je peux passer par là par exemple? Non, on peut pas passer par là. Je crois que je vais casser la voiture entièrement. Regardez, on peut voir la voiture légèrement, mais on voit qu'elle n'est pas cassée. Et surtout, je sais pas pourquoi j'ai une voiture du consulat du Pakistan. Aïe! Bon, voilà, la voiture elle est complètement démolie. Je vais voir ce qui se passe quand même si on casse entièrement la voiture. Mais oui, on a quand même des endroits un petit peu. Voilà, c'est pas comme les villes américaines, là c'est vraiment des petites rues. Je vais exploser la voiture histoire de vous montrer. Et on peut pas aller plus vite que 100 km d'ailleurs. Hein. Voilà, on est dans les petites rues. En soi, vous l'aurez compris, le jeu est quand même plutôt joli pour la PlayStation. Franchement, ça va. Le moteur graphique est quand même plutôt bon.
Voilà, je vais casser la voiture une bonne fois pour toutes. On va se prendre un bus londonien histoire de finir dessus. Est-ce qu'on peut retourner un bus londonien d'ailleurs? Non, j'ai pas l'impression. Ah, je pense pas. On va essayer de rentrer dans une voiture de plein fouet là. Boum, voilà. Et là, par exemple, vous voyez, j'accélère, mais ça tourne même plus. Regardez sur le côté. J'ai une roue qui ah, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. Bon, du coup, c'est sûr que je vais mourir. Hein. Là, je vais me planter quelque part, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, après, on va finir sur le bus. Non, ça passe toujours pas. Là aussi. Je peux encore rouler, mais c'est quasiment mort. On va faire le saut ici. Ah là là, donc sinon c'est passé. Là on est ouvert, donc c'est bon, on peut passer. Et voilà, la voiture est démolie, donc je ne peux plus rien faire. On va revenir donc dans le menu principal. On va voir un petit peu les autres modes à découvrir. On va sortir. Alors, je vous propose, on va faire le mode contrôle par exemple. Un contrôle, je me demande si ça va être un contrôle à montre. On va voir un petit peu de quoi il retourne. Donc, on a Londres, Londres 2. Bon, on n'a pas débloqué le reste. On a Turin. Là, ça permet de voir les villes auxquelles on peut participer. Et voilà, bon, pour le moment, on a deux villes. On va faire le tout premier. Les chargements sont quand même plutôt longs, vous vous rendez compte. Toujours pas fini. C'est là qu'on voit que c'est une vidéo qui tourne en boucle en fait, parce qu'il y a une partie qui apparaît un peu en manière semi-transparente. Allez, c'est parti! Ok. Donc je dois traverser 9 checkpoints en moins de... Bah j'ai un timer apparemment, donc faut pas que je tombe au-delà. Aïe. J'ai tapé une voiture, on est une station essence d'ailleurs. Ok, on a pris le bon. On en a un ici. Oh là. Plus que 4. 5 par contre. Pardon. Alors j'ai pas encore parlé du maniement. Le maniement est correct, hein, vraiment. Ça tourne bien, c'est assez progressif. Disons que ça va, quoi. Le maniement, voilà, est plutôt simple à prendre en main. Vous allez pas être dépaysé, c'est très arcade. Mais ça tourne pas non plus, voilà, trop violemment, ce qui fait qu'on peut rester encore assez précis. Il me reste plus que le dernier en 9 secondes. Bon, j'ai pas spécialement été très bon là-dessus, mais comme c'est le premier niveau, ça passe. Et donc on a réussi le premier checkpoint. Vous aurez compris, hein, c'est course au checkpoint. On va donc faire le deuxième mode de jeu juste après, avec des chargements. C'est vraiment le premier défaut que je rencontre. Le premier gros défaut, c'est ça, étant de chargement. Alors, on va faire retour. Alors, ah, attendez, ce que je vous propose, on va quand même faire peut-être le menu parce que regardez, là dans, je crois qu'on a débloqué un autre véhicule. Alors j'en profitais pour vous montrer quand même le véhicule qu'on a débloqué. Je crois que c'est un bus. Voilà, ouais, là on va être en bus. Alors donc ça charge à nouveau. Alors c'est tiré d'un film à la base, hein. Je ne sais plus exactement le nom, mais bon, ça reprend certaines idées du cinéma.
Si vous regardez attentivement le pilier central, vous pouvez voir qu'il bouge légèrement. Alors, on a un bus cette fois-ci. Oh, qu'il est mignon ce bus d'ailleurs. On dirait un bus indonésien. Allez, c'est parti. Zéro! Avec les petites voix. Bon, l'avantage c'est que chaque choc avec les voitures sera pas trop impactant. Puisque bah en fait les voitures on les envoie complètement valser. Bon, pour l'instant c'est tout droit. Alors j'oublie aussi un détail, c'est qu'effectivement la conduite est à gauche, rappelez-vous The Getaway. Et mine de rien, c'est pas un défaut loin de là, mais c'est juste que c'est assez troublant en fait quand on n'a pas l'habitude, puisque vous savez très bien que dans trois quarts des jeux actuels dans les villes, on est toujours avec la. Ah, c'est toujours le volant à droite, à gauche et on roule sur la droite. Et à part certains jeux, voilà, comme je disais, Italian Job justement, ou The Getaway, il n'y a pas tant de jeux que ça qui permettent la conduite à gauche. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on s'y habitue quand même. Allez, plus que deux checkpoints, il reste 8 secondes. Bon, le bus se manie bien quand même, hein. Attention à la remontée, pas trop perdre de vitesse. Par contre, j'ai trouvé aucun moyen de changer la vue. C'est assez dommage, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule vue disponible. Alors, je doute qu'il y ait une vue cockpit, évidemment, hein, parce que les voitures sont pas assez bien faites pour ça. Mais en tout cas, j'aurais pu avoir une vue, par exemple, ras du sol, ça pourrait être intéressant. Et donc, notre bus indonésien. Bon, qui n'est pas un bus indonésien, mais bon, ça me faisait penser à ça. Ça a été assez facile à le manier, on n'a pas eu de problème pour ça. Alors, peut-être le troisième checkpoint, s'il y a un autre type de voiture. Bon, on a un troisième, on va faire annuler, on va changer de mode de jeu, on va passer au mode. Alors, on a un mode multijoueur d'ailleurs, on peut jouer à deux. On va faire le mode destructeur. Alors, il n'explique rien, par contre, vous remarquerez, on est vraiment jeté dans le truc comme ça. Je pense que là, il faut passer casser des plots, apparemment. Ce que je vois sur l'image, donc je pense que ça va être ça. Mais voilà, il n'y a pas d'explication sur ce qu'il faut faire avant, il faut vraiment deviner par soi-même. Bon, là, je pense que c'est quand même pas trop compliqué à deviner. Mais on sait jamais, hein. Ça aurait pu être intéressant d'avoir quand même au moins un petit message, je sais pas, percuter les plots, en un minimum de temps. Puis il n'y a même pas de musique pendant le chargement, du coup ça donne vraiment le côté. Ça allonge en fait l'impression de longueur justement. Partez. Zéro! Petite fourgonnette d'ailleurs au passage. Je pense que là, pour un début, et puis il va tout droit le truc, pour un début, il n'y a pas plus compliqué quoi, c'est tout droit, tout droit, il n'y a quasiment rien à faire. Bah, vous aurez compris, on renverse des plots, on va donc faire le mode Italian Job, donc le mode principal, mode histoire, que l'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour le Italian Job. Alors, on a Londres, Turin et les Alpes. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal de scènes. Et le premier acte s'appelle la voiture de l'ambassadeur. Alors, vous avez vu qu'il y avait un onglet quand même objectif dans le menu Start. Ça va nous aider quand même pour savoir ce qu'il faut faire. Et je vous laisse cette introduction. C'est ici que tout a commencé. Roger s'était mis dans l'idée de faire le coup du siècle en volant des lingots d'or à Turin, en Italie. Malheureusement, la mafia italienne a découvert ses plans.
Disons qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié son idée. J'ai purgé ma peine et Lorna vient maintenant me rencontrer aux grilles de la prison. Très touchant, hein? Le problème est que cette idiote est venue dans la voiture de l'ambassadeur pakistanais qu'elle a empruntée. Je dois aller chez Marvin chercher la voiture et je me passerai bien de l'attention des flics. Ça va pas être facile de traverser Londres dans cette caisse. J'aime beaucoup la voix. En dehors, oh, c'est un drame du Nord là. On a, ça, je sais pas, ça fait si nous accent forcé, c'est un peu bizarre. Ça coupe totalement l'immersion. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont la mafia pas défoncé la bagnole, c'est magnifique quoi. Ils l'ont fait en trois étapes, c'était juste parfait. Donc, bah, on va commander avec la voiture d'ambassadeur justement. Donc, du coup, on va voir la première mission. Ah, ça a beaucoup vieilli, évidemment, hein. Ça, on est d'accord. On devrait calculer le temps que ça met en chargement, mais on doit bien être dans les 20 secondes. La voiture de l'ambassadeur. Elle te plaît, la voiture? On dirait une voix mélangée suisse avec un mec qui parle avec la voix niée, un petit peu comme il y avait. Ça doit dire appartient à l'ambassadeur pakistanais. Je suis sorti de tôle depuis 5 minutes et je me retrouve dans une voiture volée. Je voulais seulement que tu aies une sortie royale, chérie. Donc on va aller du point, bah on doit suivre en fait. Il y a des flics évidemment qui sont juste là. Voilà. Ah, les voix vraiment, c'est quelque chose. Hein. Oui, j'ai dit les voix nazières de façon radio d'époque en fait. Ça fait genre. Les armées avancent sur le front, impassible. C'est un petit peu nazière comme ça, et là c'est exactement pareil. Mais avec l'accent un peu suisse-nord, je sais pas comment décrire cet accent. Mais c'est vraiment spécial. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. Dans tous les cas, bon, on a cassé un peu la voiture. Ah, ils disent qu'il faut d'abord que je sème les flics. Ok. Allez, appuie sur champignon. Sème les flics, ça va, j'ai compris, on va semer les flics. Le problème, c'est qu'il faut que je sème les flics avant, quoi. T'as vu, ils avaient quasiment toute ma plaque. Ouais, je crois que je vais échouer parce que j'ai même pas réussi à échouer. Je vais échouer dès le début de la première mission parce que j'ai pas semé les flics. Mais non, je vais échouer. Je vais échouer parce que j'ai pas semé les flics. En plus, il me reste une seconde, c'est trop tard. Temps dépassé. Bon. Il aurait fallu que je sème les flics d'abord. Ok. Bon, on va essayer de les semer. Et une fois qu'on aura semé les flics, on va essayer de revenir sur la zone donnée. On va réécouter cette jolie voix. La voiture de l'ambassadeur. Salut Charlie, elle te plaît la voiture? Cette voiture appartient à l'ambassadeur pakistanais. Alors ce qu'on va faire à la limite c'est qu'on va essayer de... Je suis sorti de tôle depuis 5 minutes et je me retrouve dans une voiture volée. Je voulais seulement que tu aies une sortie royale chérie. Le problème c'est que voilà, ici on est sûr de se prendre les flics dans tous les cas, puisque la voiture de flic est juste là. Donc on va faire le tour en fait. Je vais voir si je peux esquiver la voiture de flic. Aïe. Bon logiquement il y aura des policiers quand même sur la route mais... Ah bah voilà, juste là, magnifique. Oh, et ça valait pas le coup de faire ça en plus. Les flics sont vraiment rapides. Allez, appuie sur ton pignon.
Happy ce champignon, Roger. Allez, on passe dans une galerie. Alors, est-ce que je vais réussir à les semer? Je crois qu'on les a semés. C'est bon. Donc là, on les a semés, on a réussi, c'était pas loin. Regardez, il me restait 10 secondes. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans le... dans le garage d'ailleurs. Tu m'as beaucoup manqué, Charlie. Lorna, dépêche-toi, on se casse d'ici. Un grand moment. Un grand moment. Je sais pas quoi dire là-dessus, là, vraiment. Mais entre les voix bizarres, le script qui fait une ligne, c'est quand même assez, assez spécial. Ok, bon, on a réussi le premier tableau en tout cas. Donc, on va faire la rencontre avec Tata Freddy. Ça s'annonce encore super bien, vous allez voir. Le problème avec les coups à l'étranger, c'est que sans fric, t'es foutu. Bridger est plein aux as, mais si je veux mettre la main dessus, il va falloir que je l'impressionne. C'est là où Freddy entre en jeu. Ou Tata Freddy, comme on dit. Car avec lui, tu peux être sûr que ta meuf ne craint rien. Comme Freddy est le bras droit de Bridger, si je veux impressionner Bridger, je vais devoir impressionner Freddy. Me voilà donc lundi matin, midi moins le quart. Je devais rencontrer Freddy à la gare de King's Cross, mais la nuit a été longue et je suis à la bourre. Si je me bouge pas, je vais le manquer et je peux dire adieu à une aide de la part de Bridger. Donc là c'est du contre-la-montre et sûrement qu'il va falloir encore semer les flics. Vraiment là, pour semer les flics c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a un moment où la croix rouge disparaît. Mais après ça en fait il faut vraiment attendre au moins 20 secondes avant que on ait plus les flics concrètement. Et c'est difficile de savoir en fait à quel moment on peut pour retourner sur l'objectif ou voilà. Enfin c'est difficile à déterminer. Je trouve que dans GTA par exemple c'est un peu mieux fait. Et là on est avec une Aston Martin je crois. Ah, le côté épique a disparu en 4 secondes. Hein. Je crois que c'est une Aston Martin DB4 Zagato, non? Bon, ça y ressemble en tout cas. J'ai 1 minute 22 pour y arriver et évidemment genre les flics, non? Aïe. Oh, on a même le train qui passe. C'est peut-être pas par là qu'il fallait aller, mais bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Si, c'est pas mal, 0,38. On reste 30 secondes pour y arriver. Olé ! Oh là là, pas mal. Ah, je l'ai envoyé val, c'est le mec avec le taxi londonien. Alors elle est un peu plus compliquée à piloter celle-là par contre, elle a un peu plus de jus. Alors est-ce que je vais réussir à arriver à temps jusqu'au point? Allez, ça peut le faire. Ouais, c'est bon. Allez Freddy, remue-toi. Vous avez vu quand il a couru sur l'escalier, c'est juste lui qui s'est penché quoi. C'est incroyable, incroyable. Comment ça va? Comment ça va? Mission réussie, ok. Ah bon sang. Ah voilà, pour vous, si vous cherchez un jeu épique...
Pas parce que c'est. On s'y croirait, mais parce que justement c'est totalement l'opposé, bah, jouer à Italian Job. J'ai jamais vu des dialogues aussi niais en fait dans un jeu. Alors, on va faire la troisième mission, une petite surprise pour le prof. Je connais bien les bagnoles et les filles, mais les ordinateurs de bord, ça, c'est la spécialité du professeur Peach. Apparemment, ce mec est un vrai génie, et à la différence de Freddy, il a un faible pour les filles. Et plus elles sont grosses, plus il les aime. Je vais donc amener deux ou trois grosses à l'asile. Ça devrait bien le persuader de nous aider. Même la mission, là, enfin, le titulé de la mission. Aïe aïe aïe. Austérité sur 20. Une petite surprise pour le prof. Ah, elles sont là, les grosses. Ah, bah, ça dirait des costumes taïwanais. Et pourquoi on se fait rechercher par choix par les filles quand on. On a juste fait un. Comment dire? On a juste fait un. J'ai juste amené deux filles chez moi, je vois pas en quoi c'est répréhensible. Aïe. Elle est moins évidente à piloter quand même, la Aston Martin. J'ai la Aston Martin, mais ça se trouve, c'est une voiture qui est totalement. N'a rien à voir. Faut d'abord que j'aime les flics, bah c'est pas gagné. Hein. En plus, je me fais. Je me fais bloquer par. Voilà, on va semer les flics. C'est bon? Ok, on va revenir. Il reste 50 secondes pour faire le tour. Putain, on dirait qu'il fait exprès. On dirait que le jeu le fait exprès. Il y a toujours des gens au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, ça va, 36 secondes, ça va le faire. Si vous êtes une fille en commentaire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En 2001, on en était déjà là, quoi. C'est pas possible. Bon, en tout cas, la première mission était limite plus dure que les deux autres. C'est un peu paradoxal. Je vous propose de faire la quatrième mission, et puis bah écoutez, on s'arrêtera là. Livraison spéciale. Je peux en plus vous montrer le jour entier, hein. Ça serait dommage de rater ça. Bill et Tony savent où on peut se procurer un 4x4 et il nous en faudra un pour Turin. Deux vont être livrés à Londres par train. S'ils arrivent à temps, ils peuvent être là avant que les chauffeurs viennent les chercher. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir piloter un 4x4 dans le jeu? Vous avez vu au début de la vidéo, hein, il y a quand même pas mal de voitures disponibles. Donc j'imagine qu'on risque d'avoir des véhicules un petit peu particuliers quand même. On avait déjà eu le bus tout à l'heure. Je pense qu'on aura même le bus à deux étages rouge là. Oh, une petite mini. Livraison spéciale. Allez, Bill. Allez, Bill.
Salut. Ah ouais, alors ça valait le coup par contre de me m'envoyer directement dans un. Mais faut bien comprendre que c'est pas un GPS, hein. C'est vraiment une flèche qui dit où aller, mais c'est pas elle qui va dire attention, il y a un obstacle à gauche, à droite. Oh là 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 là, la mini, qu'est-ce qu'elle... Elle est contrôle là par contre, celle-là. À l'inverse de là. Je pense que je vais pas réussir la mission, j'ai pas eu trop de temps. J'arrive même pas à la tenir en droite, la voiture. Bon, si j'y arrive, ça sera un miracle. Ouais, temps écoulé. Ça me semblait logique. On va faire réessayer. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas me planter au même endroit. Livraison spéciale. Allez, Bill. Bon, les personnages, mine de rien, enfin, les personnages en 3D sont pas trop mal faits, franchement, ça va. Honnêtement, ils ont une bonne. Bonnes animations. Bon, hormis. Hormis le fait que voilà, quand ils vont marcher sur un. Quand ils marchent sur l'escalier, ils tournent en même temps que l'escalier, enfin, ils sont à la. À la perpendiculaire à l'escalier. Ah c'est bon, ouh la vache. Oh. On est à la bourre, Bill. Quelque chose de demi-tour, magnifique. En plus il y a des bouchons, évidemment. Regarde, oh, elle fait n'importe quoi cette voiture en fait. Parce qu'elle accélère d'un coup, elle rebondit partout. Je crois que c'est la voiture la plus insipide à piloter par contre pour le moment. C'est une catastrophe à piloter que la mini. Alors que ça aurait dû normalement être la voiture la plus souple, la plus facile à. Elle a quand même quelques effets sonores, hein, vous voyez, quand on tape légèrement avec la voiture. Surtout les suspensions. Ok. Une petite ruelle. Ça risque d'être... Voilà, c'est short, surtout si je veux prendre une voiture à chaque fois. Ah, on va y arriver peut-être. Oh non, c'était là-bas. C'était là-bas. Non. Ah, je pense que j'étais tellement habitué à arriver de ce côté que je me suis dit c'est bon. Et en fait, pas du tout. Bon, on va recommencer. C'est pas grave, on va recommencer. Alors, je pense qu'on va... Il n'y a pas de checkpoint. Hein. Je pense qu'on va devoir recommencer depuis le début. Voilà, ouais, livraison spéciale. Donc là, c'est en deux étapes, hein, par contre, cette mission. Allez, Bill. Ouais. Ready, go. Je voulais justement l'éviter et j'ai réussi à pas l'éviter quand même. Oh non, il va rester 2 secondes. Oh c'est bon, c'est passé. On est à la bourre, Bill. On a intérêt à arriver à Kingscross rapido. À chaque fois ça s'est joué à une demi-seconde, hein. Vraiment Ou alors c'est parce qu'on arrive trop tard, peut-être qu'il nous... Ben, en plus, à chaque fois, il nous fait partir du mauvais côté. Allez, si je gère bien, je devrais pouvoir y arriver.
Il y a le bus qui va se mettre évidemment dans le mauvais sens au mauvais moment. Ah, j'ai été calme cette fois-ci. Hein. Ok Bill, je tourne. Crouille-toi. Ah ok, il va ressortir avec un Jeep. Je sais pas comment ça s'appelle ça. On a 49 secondes pour aller d'un côté à l'autre. Ok. Oula, par contre ce maniement est totalement différent. C'est beaucoup beaucoup plus lourd. Et en plus on a les flics quoi. Pour semer les flics là, ça va être compliqué. Aïe. Je vais d'abord commencer par essayer de semer les flics. Ah, c'est bon, on a réussi. Pouvoir faire le tour. Voilà, c'était ici. Félicitations, mon pote. Et on est revenu à la maison en fait. J'ai pas fait gaffe. Donc vous l'aurez compris, hein, The Italian Job, c'est tout simplement une sorte de driver. Hein. Driver sauce italienne, avec des missions un peu marrantes, on va dire ça comme ça, un peu particulières. Mais ça reste conduite d'un point A à un point B, et avec la notion de flic un petit peu en même temps. Sachant que ce jeu, pour moi, est quand même vraiment moins bien que Driver, dans le sens où, certes, il est légèrement plus joli, mais je trouve qu'il manque certains détails, par exemple les dégâts sur la voiture, ce genre de choses. Et puis même le maniement de les véhicules est quand même pas aussi bien rendu que sur Driver. Après voilà, il est pas mal, mais c'est loin d'être un jeu de l'année. Puis en plus vous voyez, il n'y a pas trop de modes de jeu intéressants. Il faudrait voir le mode multi un jour pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, c'est dommage, on n'a pas pu voir tuer un Walp, mais bon, il y avait trop de missions à faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. Et à la prochaine. Ciao tout le monde!